Qui prend ? Imbécile ! Oh, si je m'écoutais, je ferais sauter sa boutique, il l'aura bien cherché. Ah ! Pas idée d'être aussi stupide. Franchement, j'avais pas besoin de ça. Mais merde. Oh, je t'en prie, vas-y. Démarre, s'il te plaît. Ah, ça y est. Je te voudrais ça. Pensez à regarder la semaine prochaine dans votre boîte aux lettres. Vous y trouverez une convocation du tribunal. Ma belle voiture. Vous avez vu ce que vous avez fait? Oups, je suis absolument désolée. Vous savez, nous les femmes, on conduit toujours très mal. Oh. Arrêtez. J'avais déjà été amené à constater, il y a quelques semaines, qu'il manquait plusieurs bocaux de crabes de cette marque dans le stock. Chacun d'entre eux vaut 7,98 €. Ce bocal est celui que j'ai trouvé dans le sac à main de Madame Fischer. Est-ce que la loi l'autorise à fouiller dans mes affaires personnelles? Il en a sûrement pas. Il manquait 7 bocaux dans le stock. Or, Madame Fischer, au moment de ce constat, travaillait chez nous à la caisse depuis exactement 7 semaines. Oui, 7 semaines à devoir supporter qu'ils me mettent la main aux fesses au moins 2 fois par jour. Madame Fischer, même si cela vous semble difficile, je vous prie de bien vouloir rester tranquille. Quand j'ai montré à Madame Fischer le bocal trouvé dans son sac, elle a affirmé l'avoir volé dans les rayons de Multibonus, notre concurrent d'en face, comme si j'allais la croire. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'elle ne disait pas la vérité? L'étiquette avec le nom de notre magasin était encore sur le bocal. Quoi? Et donc, vous lui avez signifié son renvoi? Exact. Elle a pris toutes ses affaires, puis a exigé que je lui donne le bocal de crabe. Ce que j'ai refusé, évidemment. Madame Fischer a réagi comment devant votre refus? Elle est allée rejoindre son véhicule et a embouti ma voiture. Hé, minute! J'ai seulement raté une manœuvre délicate. 2 fois! 2 fois de suite! J'ai à peine eu le temps de me mettre à l'abri. Nous allons à présent écouter le réquisitoire, si vous voulez bien. Monsieur le procureur? Oui. L'instruction a clairement établi que Madame Fischer s'est rendue coupable au moins une fois, mais très probablement, bien plus souvent, de vol simple. J'ajouterai que le double percutage de la voiture du plaignant, Monsieur Zidler, est à assimiler à une grave atteinte à la propriété d'autrui. En conséquence, je demande que l'accusée, Madame Fischer, soit condamnée à une peine d'amende de 60 fois 30 €. Merci de votre attention. Vous pouvez me dire comment je peux payer une telle somme si j'ai plus de travail? Madame Fischer, taisez-vous et restez tranquille. Vous n'arrêtez pas de me dire de rester tranquille. Je croyais que vous étiez là pour me défendre. Vous en êtes incapable ou vous n'en avez aucune envie? Madame Fischer, par pitié, laissez-moi plaider. Non, je vous retire l'affaire. Merci. Votre honneur, cher monsieur le juge, monsieur le procureur, mesdames et messieurs, l'accusée, Jessie Fischer, a charge d'élever seule un fils de 11 ans. Dans ce supermarché où elle travaillait en tant que caissière, elle gagnait par mois, toute déduction faite, la somme de 1014,29 €, plus 180 € d'allocation familiale, ce qui fait la somme totale de 1194,29 €, desquels il faut retirer chaque mois 334 € pour le loyer, 92 € pour les charges, 210 € pour les frais d'assurance, 150 € pour la voiture et 400 € pour les dépenses de la vie courante. Donc en fait, il me reste exactement 8,29 €. Toby Fischer, le fils de l'accusé. Excusez-moi, aime tout particulièrement les crabes de cette marque-ci. Un bocal coûte 7,98 €. Ça n'entre pas dans les comptes. C'est pour ça que je les ai volés. C'était une erreur. J'en suis consciente, on ne peut pas faire ça. C'était une connerie, je le ferai plus d'ailleurs. Je vous demande donc de bien vouloir prendre en considération que Madame Fischer, qui doit élever seule son jeune fils de 11 ans et se retrouve sans travail, est déjà dans une situation plus que difficile et je vous prie de lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes. Et ensuite? Ils m'ont collé 200 heures de travail d'intérêt général. 200 heures, ils sont complètement givrés, ils se rendent pas compte de ce que c'est. Ça représente 25 jours, à mi-temps. C'est bien mieux en tout cas que d'avoir une amende. De toute façon, j'aurais pas pu la payer. Dis-moi, comment tu fais pour être toujours fauché?
C'est le cas des trois quarts des gens dans ce pays. Tu veux faire une partie? Ouais. Mais pas avec un mec qui a connu Elvis vivant. Dommage. Mais au fait, il est quelle heure? Nom d'un chien! Je suis en retard! Oh non! Toby! Toby a dit que vous pensiez venir le chercher vers 7 heures au plus tard. C'est ce que j'avais dit, je suis vraiment désolée. J'ai eu, comme qui dirait, un empêchement de dernière minute. Excusez-moi, mais ce soir, j'ai pas très envie qu'on vienne me faire la morale. Où est-ce qu'il se cache? Salut, maman. Salut, Toby. Dis-moi, est-ce que t'as vu l'heure qu'il est? Je blague. Merci, Franck, merci beaucoup. Je vous voudrais ça. Au revoir. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Il y a que tu m'as oublié. Mais non, je t'assure. Est-ce que tu pourrais oublier ce que tu possèdes de plus beau, de plus précieux et de plus merveilleux au monde? Comme ma console. Bon, d'accord, c'est bon pour cette fois. Merci beaucoup. Au fait, tu commences à quelle heure demain? À 9h, pourquoi? Tant mieux. Je crois qu'il va falloir rentrer à pied, la voiture ne va plus rien entendre. Non. Je suis fatiguée, j'ai plus envie de marcher. Mon trésor. On est presque arrivé. Il se faisait vraiment tard. Veronica Lake et Jimmy Delatrio s'étaient résolus. Avance à demander aide et protection à leur dernier allié. L'obscurité serait leur bouclier, dont Golden et ses acolytes avaient beau être puissants, ils étaient incapables d'y voir clair dans l'obscurité. Vas-y, fonce! Le cerveau de Veronica était en pleine ébullition. Jimmy, le garçon qui l'accompagnait, était le seul et unique témoin. Avoir vu Don Golden. Maman. Quoi? Ton Don Golden, c'est rien qu'une pomme. Oui, je sais. Jimmy était le seul témoin à avoir vu Don Golden balancer le cadavre d'une bouteille consignée dans une grosse benne à ordures. Elle savait que Golden voulait que Jimmy soit réduit au silence. À tout jamais. Veronica savait qu'elle n'avait qu'une seule chance de le sauver. Elle devait prévenir le New York Times de toute urgence. Ce n'est que quand le monde entier connaîtrait enfin la vérité que... Mais soudain, elle entendit un frombissement. Hop! Profitant de la lumière des phares de la voiture, elle plongea son regard dans les yeux du jeune garçon et vit une chose qu'elle avait oubliée ces derniers temps. Elle ferait absolument tout pour lui. Est-ce qu'on peut continuer maintenant? Il n'y a plus moyen. Pour quelle raison? Ah! Parce que nous voilà arrivés. C'était une chouette histoire. Il n'y a pas de loi qui nous interdise de prendre du bon temps. S'il y en avait une, tu t'en ficherais de toute façon. Maman? Tu as pensé à l'argent pour le voyage scolaire? Oui. T'inquiète pas, je l'aurai. Deuxième rappel. À payer. Nous avons trois règles fondamentales, rapidité, qualité et amabilité. Si tu respectes ces règles, tu pourras aller loin chez Cumby. Quand le client arrive au comptoir, tu lui demandes « Qu'est-ce que Cumby peut faire pour vous ?» Nous répétons souvent ce nom pour que les gens le retiennent.
Tu prends la commande du client, tu la répètes une fois, et puis tu l'encodes. Ceci est un écran tactile haute définition. Il faut qu'il reste d'une propreté irréprochable. Il ne supporte pas la graisse. Ensuite, tu encaisses le montant de la commande et tu la prépares. Tu donnes la marchandise au client, et pour terminer, tu dis « Gumby vous souhaite une bonne journée ah. ». Tu as retenu ce qu'il faut faire ? Oui. Qu'est-ce que Gumby peut faire pour vous ? Puis la commande, répéter la commande, la taper, encaisser, la préparer, puis la donner. Bonne journée, c'est juste ? Oui. Tu m'as l'air doué. Je n'ai aucun mérite. Ce sont les règles de Gumby. Prête à servir ton premier client ? Oui, ça ira. Qu'est-ce que Gumby peut faire pour vous ? Je voudrais un latte macchiato et un muffin aux pommes. Latte macchiato et muffin aux pommes. C'est ça. Gumby veut 3,80€. Oh. Oui. Et on ne discute pas la note. Non. Les prix sont les prix. Je pourrais pas plutôt faire un boulot pour lequel j'ai de réelles aptitudes. M'occuper d'enfants, par exemple. Ou donner des cours d'allemand aux étrangers en séjour chez nous. Jessie, sachez qu'une liste des priorités existe. Et les soins en personnes âgées se trouvent tout en haut. Oh, Manfred, je viens d'obtenir ce nouveau job dans cette cafétéria. Comment voulez-vous que je combine ces deux emplois, sans compter que je dois m'occuper de Toby ? C'est un plein temps ? Non, juste un mi-temps. Votre employeur doit vous laisser purger votre peine et aménager vos horaires en fonction. Il y est contraint par la loi. Bien, Manfred. Merci. Vous y arriverez, j'en suis sûr. Mais oui. Avec votre charisme. Allez-y, dites tout de suite que tous ces petits vieux n'attendent que moi. Ravi de la voir. Ça va. Bonjour. 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 Bonjour, mademoiselle. Bonjour. C'est gentil. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue chez nous. Cette maison de retraite appartient à la municipalité. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que vous avez atterri ici. Une autre raison est que les nombreuses restructurations du personnel qui nous ont été imposées depuis 4 ans nous ont laissé énormément de travail sur les bras. Pour le dire autrement, nous sommes toujours ravis d'avoir un coup de main. Mais je n'ai pas la moindre expérience des petits vieux. Je n'y connais rien, rien de rien. Vous ne devrez rien faire que vous ne puissiez apprendre très rapidement. Et du reste, vous avez 100 heures devant vous pour y arriver. Vous organiserez vos horaires directement avec l'unité de soins. Ah, une chose encore, Madame Fisher, nous avons pour l'instant toujours eu une très bonne expérience avec les personnes envoyées par le tribunal. Si vous êtes ponctuelle, de bonne volonté et que rien ne disparaît, nous devrions passer un excellent moment ensemble. Que tout aille au mieux pour vous ici. Je voudrais... Mais... Alors, voici ton armoire. Et une blouse que tu dois porter pendant tes heures de service. Voici ton badge. Comme tu vois, il n'y a plus de clés. Elles ont toutes disparu au fil des ans. Et pour en racheter, il n'y a pas d'argent. Celui qui volerait mon porte-monnaie serait déçu de toute façon. Jusqu'à présent, jamais rien n'a été dérobé ici. Sinon, il y a dans cette maison 25 pensionnaires, dont 8 restent à l'étage pour manger. Parce qu'ils n'ont plus la force d'aller au réfectoire qui se trouve en bas. Il y a une salle de bain spécialement adaptée aux handicapés. Et pour l'ensemble de nos vieux pensionnaires, il y a seulement 2, mais en fait, très souvent, une seule et unique aide-soignante. Pardon ? Une seule pour 25 personnes ? C'est malheureux, mais on ne peut rien y faire. Enfin, on peut toujours envoyer une lettre de réclamation à la chancellerie. Mais bon... Oh. Jessie Fisher. Criminelle.
Ça vous plaît au moins? Elle n'entend rien de ce que tu lui dis. Rien? Pas un seul mot. C'est gentil d'être venue, t'es une brave fille. Comment va papa? Hein, dis-moi. Je crois qu'il va très bien. Oh, que je suis contente. Il l'aura mérité en tout cas. Jessie, c'est pour la chambre 42, pour le général. Pour qui? En réalité, Monsieur Voss, mais on l'appelle le général. Ça a eu le temps de refroidir. Il ne veut pas descendre avec les autres et Ilona pense que ça lui apprendra à se croire tout permis ici. Chambre 42. Tu ne m'as toujours pas dit quand est-ce qu'on se marie tous les deux? Oh, jeudi 11h30. Directement remporter cette infâme tambouille. Vous devriez écouter d'abord. C'est de la viande de porc, de la purée de pommes de terre et du chou. Vous êtes sourde? Non, pas du tout. J'entends très bien. Mignonne, bête et impertinente. Et blonde, vous l'avez oublié. Vous êtes fou? Oui, je suis fou. Est-ce qu'un homme normal jette la nourriture par la fenêtre? Non. Un homme arrive chez le psychiatre et dit: « Docteur, j'ai pas besoin d'aide, personne ne fait attention à moi. » Le psychiatre répond: « Suivant, s'il vous plaît. » C'est malin. Très rigolo. Tu peux la ressortir. Il y a Monsieur Wertmann qui veut te voir. C'est pas ton instituteur? Qu'est-ce qu'il veut de moi? J'ai dégonflé les roues du vélo de quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il m'écrit? Le vélo, c'est celui de Wengler, notre prof de science. Pourquoi tu fais des trucs pareils? Parce que Wengler est un idiot. Dans notre journal de classe, on était obligé d'écrire « Les tabliers refusent de quitter le périmètre de la classe ». C'est pas très futé, t'as raison. Il faut que j'aille le voir demain. Super. C'est bon, j'y suis. Oui. Jessie Fisher. Cambé. Où étiez-vous ce midi? Le café est tellement meilleur quand c'est vous qui le faites. Merci. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il paraît que flirter est excellent pour la circulation sanguine. Ah oui, Toby. Voilà, en fait, nous avons ces derniers temps quelques problèmes avec lui. Ouais, il n'a que 11 ans. À son âge, c'est normal de faire des bêtises, je crois, non? Bien sûr, oui, mais... il n'arrête pas de provoquer les autres, et le plus souvent des plus âgés que lui. Comme ils sont plus forts, ils ont le dessus, alors ils se vengent en détruisant ce qui lui passe sous la main. Les portes de l'armoire, les roues de vélo de 3 camarades... Une minute, je croyais qu'il avait juste dégonflé les pneus du vélo du prof de science, c'est tout. Il s'en est pris à lui aussi, et à d'autres écoliers. Ouais. Quand un enfant attire l'attention sur lui, c'est que quelque chose lui manque. Ah oui. Et qu'est-ce qui lui manque? C'est à vous de me le dire. Quelle est sa situation personnelle? Est-ce qu'il a des contacts avec son père ou... Oh, je lui raconterai volontiers quelque chose sur son père, mais on a été obligés de quitter l'hôtel avant 11h. Je n'ai pas d'emploi fixe. Pour l'instant, je travaille chez Cummy, comme vous le savez. Il y a 8 jours, on m'a condamné à 100 heures de travail d'intérêt général parce que j'avais volé un bocal de crabe pour Toby. Sa situation personnelle est donc la suivante. Non seulement cet enfant n'a pas de père, mais en plus, il est obligé de vivre avec une... une mère frivole
irresponsable et en plus fiché par la police. Je crois donc qu'il n'est pas très étonnant qu'il tente par tous les moyens de se faire remarquer, non ? Gumby vous souhaite une bonne journée. Waouh. Bon, fini pour aujourd'hui, je rentre chez moi. Oh non. Bonjour, monsieur Broker. Rocksteel. Oh, pardon. Oh, mais qu'est-ce que... Madame Broker. Oh, je m'excuse, mais je vais plus assez vite. J'ai pas réussi à aller jusqu'aux toilettes. Oui, oui, c'est normal. Allez, venez par là. Dieu. Faites attention. Voilà. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il faudrait enlever vos vêtements tout de suite, je crois. Oui, mais c'est toi qui t'en occupe. D'accord, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, laisse-moi faire. Non, je... Si, si, je m'en occupe. C'est super que tu sois intervenue. Quelle alors, histoire. Madame Brooke. J'ai pas réussi à y aller. Mais c'est pas grave. On va arranger. Je suis tellement désolée. Il ne faut pas. C'est pas grave. Voilà. On y est presque. Oh. Ça va? Oh oui, merci. Sérieux. Merci. Oh. Dis-moi, tous ces pauvres petits vieux, tu penses qu'ils profitent encore de leur vie? Je me suis posé la même question au début. Et je me suis dit, quand moi je serai comme eux, de quoi est-ce que j'aurai le plus besoin? D'un peu de bienveillance? D'un petit peu d'attention, de la présence de quelqu'un? Et le général? Jamais on a eu quelqu'un comme lui. Dès le premier jour, il a voulu botter les fesses de Philippe. Mais il a raté son coup, le pauvre. Et puis, il est constamment en train de faire ses valises. J'ai dû 50 fois au moins tout déballer pour tout re-ranger, mais dès le lendemain, il recommence. Il veut aller où? Il refuse de nous le dire. Nous ne sommes pas dignes d'être mis au courant. Il n'a aucune famille? Si, deux enfants. Il lui paie la maison de retraite, mais ça s'arrête là. On ne les voit jamais. Il a encore toute sa tête? C'est vrai qu'il y a des jours où on se le demande. Faudrait qu'il mange quelque chose. Mais il mange! Au petit déjeuner. Et puis la nuit, il prend en cachette des morceaux de sucre dans le réfectoire et on le laisse faire. Après tout, ce sont des calories. C'est son dîner ou je me trompe? Oui. Il l'a refusé. Bon, on va réessayer. Bonne chance. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? On appelle ça à manger et c'est ce qu'il faut faire avec. Qui vous a permis de me parler sur ce ton? Évitez de tout balancer par la fenêtre parce que moi j'ai terminé, vous seriez obligé de tout ramasser. Bonsoir. Et bon appétit. Au fait, tu sais ce que c'est un concerné? Eh bien, c'est un imbécile en état de siège. Tu as compris? Un concerné. Pourquoi est-ce que tu te mets à me mentir? Je te mens, comment ça? Tu m'as dit que tu avais dégonflé les pneus du vélo de ton prof de sciences et Wartman m'a dit que tu casses des choses. Les affaires de tes camarades. Oui, inutile d'en faire un fromage. Et c'est pas tout. Depuis quand est-ce que tu provoques des garçons plus grands que toi? Tu le fais tout le temps, toi aussi. Tu m'as dit un jour que ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on est humainement qui est important. Oui, je le maintiens d'ailleurs. Mais ça ne signifie pas qu'on a le droit de casser les meubles ou d'abîmer les affaires de ses camarades d'école. Imagine qu'un gamin de deuxième année s'amuse à crever les pneus de ton vélo. Qu'est-ce que tu dirais, hein, Toby? Je veux que tu t'en sortes mieux que moi dans la vie. Que tu passes ton bac pour qu'après tu puisses avoir un boulot correct. Ben quoi, on a la belle vie, non? Ouais, on a la belle vie, tu crois. Tiens, tu as déjà jeté un coup d'œil là-dessus? Ce sont des factures que je n'ai pas encore payées. Et en plus, je dois trouver l'argent pour ton voyage scolaire. Je travaille dans cette cafétéria horrible et je suis condamnée à 100 heures de travail social dans une maison de retraite. Voilà à quoi ressemble notre vie. C'est chouette, non? Depuis quand est-ce que tu m'aides à faire la vaisselle? Je n'ai jamais eu honte de toi, maman. Il manquerait plus que ça. Ha! La 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 la. Arrête! Arrête! Ah! Oui, j'arrête! Tiens.
un gars là qui veut être servi uniquement par toi. On est chez Cumby ou au Club Rita, faudra savoir. Bonjour. Qu'est-ce que Cumby peut faire pour vous? Je voudrais un latte macchiato et un muffin aux pommes. Latte macchiato et muffin aux pommes. 3,80€, s'il vous plaît. Je ne voulais pas jouer les psychologues, ni vous ennuyer avec de grands discours pseudo-moralisateurs. Je voulais seulement vous parler. Vous n'êtes pas aussi stupide que je croyais. Je n'ai jamais prétendu l'être. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous me pardonniez? Emmenez-moi voir un film. Pardon? Excusez-moi, je suis parfois un peu trop impulsive. Non, non, on peut y aller demain. Alors, comment s'appelle la capitale du Portugal? Moi, je sais. C'est Lisbonne. Très juste. Un point pour Madame Brocker. Comment? La capitale du Portugal. Bah, c'est simple, Lisbonne. Excellent, super. Un point pour vous, Monsieur Brocker. Non, Brockstil. Eh oui, mais j'ai déjà répondu à ça. C'est juste. Avant. Un point de plus pour vous, Madame Brocker. C'est injuste de lui en donner un de plus. Ce n'est absolument pas injuste. Vous venez d'obtenir un point, alors que Madame Brocker l'avait déjà dit, Monsieur Brocker. Brockstil, par pitié. Brockstil, par pitié. Bon, Madame Althoff, c'est à vous maintenant. Madame Althoff, je vais vous citer quatre noms de fruits que vous connaissez et je vous demande de les répéter dans l'ordre dans lequel je vous les ai donnés, d'accord? Abricot, pêche, cerise, banane. Oh, c'est simple! Abricot... Non, c'est uniquement pour Madame Althoff. Abricot, pêche, cerise, jaune, importé, Tarzan, banane. Oui, super, tenez, voilà. 3 points pour vous, Madame Althoff. 3, c'est très gentil. Mais pourquoi? Quoi donc? C'est vraiment gentil. C'était dur pour elle. Voyons la suite. Capitale de l'Angleterre? Londres! C'était pas compliqué. Bonjour. Bonjour. Je dois vous dire 2 choses. Oh, vous repartez en voyage. Où est-ce que vous allez? Ça ne vous regarde pas. Ok. Et la deuxième chose? Quoi? Vous aviez 2 choses à dire. Vous êtes une impertinence. Oh, n'exagérons rien. C'est seulement que j'ai grandi dans un milieu très différent du vôtre. Je voulais vous dire, tout d'abord, qu'une assiette doit être déposée. D'accord. Et non pas jetée sur la table. Il n'y a qu'au pied des chiens qu'on jette la nourriture. On peut également la jeter par la fenêtre. Et ensuite, j'ai une sainte horreur du pâté de foie. Je refuse d'en manger. Vous savez qu'on y met toutes sortes de déchets et c'est totalement abject. Et on donne ça aux vieux en se disant que c'est bien assez bon pour eux. Pourquoi est-ce que vous vous compliquez la vie à ce point? Hein? Vous n'êtes certainement pas le seul ici à souffrir de solitude, mais je vous garantis que vous êtes le seul pour le coup à vous octroyer le droit d'être d'une humeur exécrable, à longueur de journée, quoi qu'il se passe, et être désagréable avec tout le monde. Vous demandez à ce qu'on vous respecte, et vous avez raison, mais vous n'êtes pas disposé à en faire autant. Tous ces pauvres petits vieux et le personnel soignant ont eux aussi mérité un peu de respect. Vous ne croyez pas? Général. J'ai tout mon temps. Moi aussi. Et plus que vous. Je vous le garantis. L'éternité. Pas plier, laisse tomber. Personne ici n'y est arrivé. Jessie, est-ce que tu te souviens des 3 règles de Cumby? Rapidité, qualité, amabilité. C'est tout à fait exact. C'est inscrit sur le panneau derrière vous.
Mais à ces trois règles, il y a une condition préalable. Oui. C'est que l'employé censé les appliquer non seulement sans présent, mais également ponctuel. Tu saisis? Oui, oui. Notre règlement est très clair sur ce point. Un retard, un avertissement. Deux retards, deux avertissements. Et au troisième retard, c'est la porte. Oui. Une seconde. Salut. Qu'est-ce que Cumby peut faire pour vous? On voudrait deux chocolats chauds, s'il vous plaît. Ouais. Deux chocolats chauds. Jessie, c'est à toi de choisir. Tu es ponctuel ou tu es renvoyé. 4 euros. Écoute, tu as du coca, des chips, le numéro de mon portable et le meilleur programme télé de toute l'Europe. C'est vraiment trop la honte. Pourquoi? Les instits sont des hommes aussi. Oui, mais lui, c'est mon instit. Hé, hey, pas de panique. Je vais certainement pas discuter avec lui de tes aptitudes en mathématiques. Tu peux pas décommander? Oh oui, excellente idée. Allô Thomas, je suis vraiment très ennuyée. C'est mon fils, il n'a pas très envie qu'on sorte ensemble, toi et moi. Ce serait super que tu me rappelles quand il aura 30 ans. Toby, écoute-moi bien. Je suis ta mère, d'accord? Et je t'assure, regarde-moi dans les yeux, que tu occuperas toujours la première place dans mon cœur. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai plus jamais de rendez-vous de ma vie. C'est pas non plus ce que je te demande. Oh, désolée, je t'ai fait une vilaine marque. Tu peux venir avec moi. Alors que pour la première fois de ma vie, je peux décider ce que je regarde à la télé. Et qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Que je me débarrasse de mon ancienne vie pour recommencer une nouvelle? Y'a que toi qui puisse le savoir. Oui. Est-ce que tu as le droit? Je suis là. Je compte sur toi pour m'aider. Thomas! Si je sens de mon cœur... Ici! Je me trouve toujours que ce sont les mêmes vœux. Oui. Que nous soyons tous deux unis à jamais. Nous étions deux êtres tellement différents. Oh, oh, il y a quelque chose qui passe. C'est des pralines glacées au noisette. Oui, nous ne formons plus qu'un. J'ai rien loupé, j'espère. Non, rien. De toute façon, c'est toujours la fin qui est passionnante. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'amour... si bon. ...fait toujours... Hélas. Il finit par être heureux. Je connais l'histoire. Il faut accepter la souffrance. Je suis désolée. Oh, ben alors, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Oh, on sort du cinéma. Oh. À la vôtre. Vous pleurez alors qu'à la fin, ils se retrouvent ensemble? Je comprends pas. Ben oui, c'est ça. Justement, ça me remue de voir des gens heureux. Pourquoi? Vous ne pleurez jamais? Jamais au cinéma, non. Vous pleurez dans quelles circonstances, alors? J'ai été marié. Et quand mon meilleur ami et ma femme ont décidé de s'installer ensemble, j'ai beaucoup pleuré. J'en aurais fait autant à votre place. J'ai la chance de ne jamais avoir été mariée. C'est réellement très étonnant. Oh oui, je trouve aussi. Désolée de vous interrompre. Ramène ça au programme. Le gars au billard, il mise 200 euros cash. Prenez des paris? Non, jamais. Je ne suis juridiquement pas en position de prendre des risques. 200 euros, c'est ça? C'est beaucoup, non? Continuez à travailler. Parce qu'on ne rencontre pas tous les jours un imbécile qui tient à se débarrasser d'un billet de 200.
Je suis désolée, j'aurais pas dû accepter de relever ce pari. Je crains de vous avoir gâché la soirée. Non, j'ai adoré, vous étiez très sexy. C'est vrai. J'ai pas le droit de mentir, je suis employée de l'État. Oui, c'est vrai. J'avais vu ça qu'au cinéma. Un petit truc de ma grand-mère. Elle disait que les femmes adorent ce genre d'attention. Oui, elle avait totalement raison. C'était une soirée très agréable. Oui. Très agréable, en effet. J'ai jamais embrassé une fille qui soit plus grande que moi. Moi non plus. C'était toujours bon. C'était toujours bon ce que tu faisais. Salut Toby. Salut Stella. Oh, c'est vraiment la honte. Et pourquoi c'est la honte? Parce qu'une fille te salue. Elle est dans ma classe, maman. Tu penses bien qu'elle n'est pas idiote? Tu crois qu'elle m'a reconnu? Bien sûr que oui. À mon avis, c'est un problème de bougie. On va arranger ça. Tu me donnes un coup de main? C'est que je n'y connais rien du tout, moi, aux voitures. Ça peut changer. Il arrive que les bougies soient humides. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, à ton avis? On pourrait les sécher. Eh ben oui. Et tu oses dire que tu connais rien aux voitures? D'habitude, il prend au moins son petit déjeuner, mais aujourd'hui, il a tout de suite été pris d'une immense colère. Il a foncé à la cuisine avec sa valise et il s'y est retranché après avoir mis Ilona à la porte. Qu'est-ce qui a pu se passer? Aucune idée. Je lui ai apporté son petit déjeuner, lui ai appris que Madame Althoff est décédée hier à minuit, et à ce moment-là, il a disjoncté. Il a dit qu'il n'y a qu'à toi qu'il veut parler. Mais enfin, il connaît même pas mon nom. Il a dit celle qui a une grande gueule. Bah voyons. Oui, Jessie arrive. Ah oui, il nous empêche d'entrer en balançant des assiettes. Ah, c'est bon à savoir. Oui, Madame Shunt, je vous rappelle. Général, je vais entrer, d'accord? Surtout, ne prends pas de risques inutiles. Dites-moi, Général, est-ce qu'au moins vous savez ce que c'est qu'un concerné? C'est quoi? Je comprends rien du tout. Un imbécile en état de siège, tout bêtement. C'est mon fils qui me l'a raconté. Il vient d'avoir 11 ans. Pas de pâté de foie, du salami. Vous avez raison, c'est bien meilleur. Une tomate? Vous venez? A rendu si furieux? Je vais beaucoup trop bien. Ah. Dans ce cas, comment c'est quand vous allez vraiment très mal? Je suis curieuse de le savoir.
Je n'ai plus aucune idée. Alors, vous trouvez ça à votre goût? Ça me plaît, oui. Tant mieux. Merci. Quand j'étais gamin, d'aller tous les jours à la recherche de belles pierres, ma chambre en était remplie. J'avais un livre sur le monde minéral. C'était ma grande passion. Granit, basalte, schiste, quartz, calcaire. Je pouvais toutes les reconnaître. Merci. À l'époque, je voulais étudier la géologie. Seulement, les circonstances ne l'ont pas voulu. Joli. Tous les cas ici sont difficiles, Monsieur Voss. Mais avec votre père, on ne s'en sort pas. On ne peut plus le garder. Il a peut-être juste besoin d'un peu de temps. Il est ici depuis 4 mois maintenant. Et ses repas, il les jette par la fenêtre. Il s'en prend au personnel soignant. Et aujourd'hui, il a été jusqu'à transformer la cuisine en un véritable champ de bataille. Je sais que ce que je vais vous dire peut paraître assez rude. Mais nous sommes ici dans une maison de retraite, pas dans un service de gérontopsychiatrie. Ilona, que pensez-vous de l'attitude de ce pensionnaire? Il se renferme et souffre de solitude. Ce serait bien que vous veniez le voir de temps en temps. Hmm? Je suis déjà venu plusieurs fois. Mais ma présence l'ennuie plus qu'autre chose. Il me tient en effet quasiment pour responsable de sa présence ici. En réalité, il n'arrive pas à se remettre du décès de ma mère. Moi-même, je n'arrive à rien avec lui. Mais Jessie, elle, semble avoir réussi à se faire accepter et à lui parler. Oui, j'ai entendu parler de votre investissement et je vous en félicite. Et alors, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je l'aime bien. C'est une vraie tête de mule, mais moi aussi j'en suis une. Je suis sûre que tout va s'arranger. Vous croyez? Eh bien, dans ce cas, je suggère que nous laissions les choses comme elles sont pendant encore quelques semaines. Nous referons un bilan à ce moment-là. Votre père faisait quoi comme boulot? Il tenait une quincaillerie. Mmh. Il avait 2 employés et ma mère tenait la comptabilité. Ça marchait plutôt bien. Ouais. Seulement un jour, la concurrence des grands magasins l'a obligé à fermer sa petite boutique et tout à coup, il n'avait plus rien à faire à part descendre les poubelles. Il nous disait, je n'en peux plus, c'est insupportable. Mais d'une certaine manière, ça allait encore. Il était peut-être d'une humeur de cochon, mais au moins il fonctionnait. Je veux dire qu'il parvenait encore à se maîtriser. Puis il y a eu le décès de votre mère. Et il a complètement perdu tout sens de la réalité. Il était devenu fou de chagrin. Et maintenant, ils veulent le renvoyer d'ici alors que son état était bien connu de la direction de l'établissement. Ils ne peuvent pas simplement le mettre à la porte parce qu'il est difficile à gérer. Il y a un manque terrible de personnel dans les établissements comme celui-ci. Il est quasiment impossible de s'occuper de chacun individuellement. Oh, excusez-moi. Allô? Jessie, si tu n'es toujours pas là dans les 30 secondes, je t'assure qu'Helmut va te renvoyer. Il est en train de péter. Voilà ce qu'on va faire. Tu lui dis que Toby a fait une très vilaine chute. Je suis là dans un quart. Désolé. Je vais vous donner ma carte. Vous pourrez me joindre s'il le faut. Oui, d'accord. Ou si j'ai envie de me faire construire une maison. Ah, c'est ça, oui. Bon, écoutez, madame... Fisher. J'ai eu suffisamment de mal à trouver cette maison de retraite et je n'ai pas envie de devoir recommencer les recherches une deuxième fois. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir vous occuper un peu de lui. Vous savez... Je crois que votre père serait heureux si de temps en temps vous veniez lui rendre visite. Peut-être qu'il recommencerait alors à fonctionner. Au revoir. Général ? Tout va bien ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de travers? Quand le fouet est pourri, il faut bien que l'arbre l'ait été aussi.
Non. J'en sais rien. Reposez-moi la question quand mon fils sera grand. Quarante-trois ans. J'avais 28 ans. Elle, 1 an de moi. C'était une fille avec laquelle on pouvait faire les 400 coups. On m'a 1000 fois dit de me méfier d'elle. Seulement, elle était la seule que j'acceptais d'écouter. Oh, je suis désolée. Je trouve que vous lui ressemblez un peu. Je parle du caractère. On a eu 2 enfants, on a construit une maison. Nous étions ensemble tous les jours. Avant de la connaître, je me disais que l'amour, ce n'était qu'un bazar sentimental sans intérêt. Nous voulions tous les deux revoir notre plage. On y emmenait toujours les enfants quand ils étaient jeunes. On était les seuls au monde à la connaître. C'était notre plage. Nous n'étions plus capables de faire grand-chose. Nous promener, manger, lire. Mais nous étions toujours heureux. Un jour, j'arrive dans la cuisine et elle gît à terre. Je pensais qu'elle était tombée. D'ailleurs, c'était vrai. Elle était tombée. C'est bon, elle ne s'est plus jamais relevée. Après, j'ai essayé de me dire, d'une manière ou d'une autre, il faut bien continuer. Je buvais le thé dans sa tasse. Un jour, j'ai même pris un de ses chapeaux, je l'ai mis sur ma tête et je me suis promené dans toute la maison. Personne ne pouvait me voir, de toute façon. Mais je n'ai pas pu continuer à communiquer avec Dieu. Je voulais la sentir étendue près de moi. Vous comprenez? Oui. Puis il y a eu cette période dont je n'ai pas de souvenirs. J'avais complètement perdu le nord. Et à ce moment-là, mon fils a décrété qu'il fallait que je signe ce document. C'était quoi? La donation de la maison. Et de divers papiers de valeur que j'avais encore. Les enfants en auraient hérité de toute façon. Mais il disait que je ne pouvais plus rien gérer. Essayez de vous défendre quand la seule chose que vous savez, c'est qu'il vous manque quelque chose et que vous le cherchez. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai voulu faire marche arrière. Seulement mon fils ne voulait rien entendre. Alors j'ai essayé de mettre le feu chez lui. Génial. Il m'avait fait mettre sous tutelle. Le jour de mes 60 ans. C'est la seule chose qui m'appartient encore. Oh, excusez-moi. Vous devez vous en aller. Oui. Helmut, vous n'êtes pas sérieux là. Un retard, un avertissement. 2 retards, 2 avertissements. Et au 3e retard, c'est la porte. Or, tu étais en retard au moins 7 fois, Jessie. Helmut, donc, pitié, un peu d'indulgence. La commande et puis tu l'encodes. Ceci est un écran tactile haute définition. Il faut qu'il reste d'une propreté. Et il ne supporte pas la graisse. Au revoir. Comme vous le voyez, le vert est prépondérant sur la face ouest. Et ici, au sud, la sinuosité de la ligne... J'en ai pour une seconde. Bonjour. Je vous prie de m'excuser de débouler comme ça dans votre bureau, mais il faut que je vous parle, c'est urgent. Merci, tout va bien. Je vous écoute, mais faites vite. Je suis venue vous prier de faire annuler la mise sous tutelle de votre père.
seriez-vous devenue folle? Qu'est-ce que vous vous êtes imaginé, hein? Qu'est-ce que vous savez de notre vie à moi et à mon père? Rien du tout. Je sais que vous l'avez fait mettre sous tutelle alors que le pauvre homme a toute sa tête. Allez, oust. Et que vous vous en êtes débarrassé en le mettant dans une maison de retraite parce qu'il ne fonctionnait plus, comme vous dites. Et que vous avez eu le culot de profiter de son chagrin après la mort de sa femme pour vous enrichir. Mais cette femme, c'était votre mère. J'ai 3 secondes pour quitter ce bureau, Madame Fischer. Je vous en prie, rendez-lui sa maison. De toute façon, vous en hériterez un jour ou l'autre. Vous pouvez faire ça pour lui, non? Désolé, mais elle est devenue complètement folle. Oh non, s'il te plaît. Tu veux du pain? Comment s'est passée ta journée? On ne peut mieux. Un vieil homme dans la maison de retraite s'est mis à casser la vaisselle. Un autre a essayé de me corrompre en vain. Ah oui, j'ai aussi perdu mon boulot. Et ensuite, je suis allée au bureau de l'homme qui avait tenté de me corrompre et il m'a tout simplement flanqué à la porte. Pas mal pour une seule journée, non? Eh ben... Tu peux pas constamment te mettre le reste de l'univers à dos? Ah, pourquoi pas? C'est contre le règlement de l'école? Tiens, prends ça dans les dents. On peut savoir ce qui t'a mis dans cet état? Le vieux monsieur qui s'est mis à balancer les assiettes contre les murs. Dans la maison de retraite, on l'appelle le général, parce qu'il est extrêmement pointilleux, mais en réalité, c'est un homme en or. Sa femme est décédée il y a quelques mois, et ça l'a rendu tellement triste qu'il en a perdu les pédales. Et ses propres enfants n'ont rien trouvé de mieux à faire que l'obliger à signer je ne sais quel papier officiel, disant... disant qu'il leur fait don de sa maison et de tous ses biens, sans contrepartie, cadeau. Et quand il a retrouvé ses esprits, il a voulu récupérer sa maison, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, figure-toi qu'ils l'ont fait mettre sous tutelle. Allez-y, servez-vous. C'est une sorte d'attestation qui dit que t'es complètement zinzin. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait aussi simple. Il faut passer devant le notaire, avoir l'avis d'un psychiatre, etc. Il y a une législation tout de même dans ce pays. C'est pas ce qu'on raconte dans les journaux. Mais toi, qu'est-ce que t'as à voir là-dedans? Il y a quelque chose de pas normal. Quand le général a signé ce truc, cette donation, je sais pas comment ça s'appelle, à ce moment-là, il avait effectivement plus toute sa tête. Peut-être que du coup, ça n'a aucune valeur, tu comprends? Il faudrait vérifier. Maman, on est à table. Oui, oui, commencez sans moi, j'arrive. Allô? Manfred? Quoi? Ah, c'est incroyable, comment vous avez fait? C'est simple, un licenciement doit faire l'objet d'un écrit. C'est peut-être pas une règle chez Combi, mais ça fait toujours partie du droit du travail. Manfred, vous êtes un génie. J'ai fait 2 années de droit. J'ai de nouveau mon travail. Hé hey, super. Je serai ponctuel, je vous assure, je vous le promets, jurez. Vous pouvez me faire confiance. Dites, est-ce que par hasard, vous vous y connaissez aussi en procédure de mise sous tutelle? Oh non. Très drôle. Non, c'est pas pour moi. Pas encore. Ah, excusez mon retard. Et c'est sans garantie. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, une donation doit être certifiée par un notaire. Oui, elle l'est. Et pour ce faire, le notaire doit d'abord s'assurer que le donateur est parfaitement sain d'esprit. Ah, tu vois? Et ça, justement, c'est pas le cas. Au moment de la... Tiens, au moment de la signature, on lui administrait de fortes doses de... neuroleptique ou un truc de ce genre. Ah. Eh bien alors, si c'est vraiment le cas, cette donation est d'entrée de jeu non valide. Mais c'est super! Attends, c'est pas fini. C'est maintenant que les choses se corsent. Si le général veut contester la validité de la donation, il doit convaincre un expert qu'il est maintenant un nouveau responsable de ses actes et qu'il n'a jamais voulu faire cette donation. Mais cette procédure, il n'y a que le tuteur qui puisse l'initier. Ah bon? Et c'est qui? C'est là que se situe le problème. C'est quelqu'un que tu connais très bien. C'est son fils, figure-toi. Oh, génial. Il est également le bénéficiaire de la donation. Donc, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir convaincre un juge des tutelles qu'il y a conflit d'intérêts dans cette affaire. Du coup, le général pourrait à nouveau exercer ses droits, légalement parlant. Il pourrait contester la donation. Et la maison est à lui. Ok. Battons-nous. Jessie, c'est de la folie. Manfred, dites-lui, c'est...
C'est une guerre. C'est une guerre juridique. Et alors? J'ai l'expérience des tribunaux. Écoute, ton investissement est tout à ton honneur, mais j'ai bien peur que les gens pensent que tu fais ça par intérêt, pour son fric. T'es pas sérieux, là, rassure-moi. Que les gens pensent, c'est de ça que je te parle, de ce que penseront les gens. Je n'avais absolument pas envie d'aller dans cette maison de retraite. Je n'ai pas demandé à y aller. Et là-bas, ils voulaient pas non plus m'avoir dans leurs jambes, parce que pour eux, j'étais qu'une délinquante. Et puis j'ai rencontré ce général, ce vieil homme enfermé dans sa solitude, qui s'est fait rouler dans la farine et exploité par ses propres enfants, et qui n'a personne pour l'aider. Il ne lui reste plus que moi. Thomas, tu n'as jamais connu ça? Que parfois on est obligé de faire des choses, parce que sinon on explose. Ouais, je connais ça depuis que je te connais. Avant, je n'étais qu'un petit instinct sans histoire. Parler, et avancez. Et puis criez encore plus fort, allez-y, comme ça tout le monde saura que je vous emmène. Il est hors de question que j'entre dans cette petite bagnole rouillée. Mais si, bien sûr que vous allez y entrer. Et puis je vous interdis d'injurier ma voiture. Elle me sert loyalement depuis 9 ans. Attention à la tête. Je n'ai pas pris. Enlevez vos doigts de là, je ferme. Nous avons rendez-vous avec deux personnes, deux messieurs très aimables d'un certain âge, comme vous, général. L'un d'eux est un médecin expert auprès des tribunaux, et je voudrais que vous lui répétiez ce que vous m'avez raconté à propos de votre femme et de vos enfants. Parce qu'alors, il y aurait peut-être un moyen pour que vous puissiez récupérer votre maison et vos biens. Seulement, vous devez vous comporter correctement. Il faut faire bonne impression, d'accord? Général, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas descendre! Pas ici! Ça va bientôt passer au vert! Je vous assure que c'est absolument pas le moment de perdre les pédales, Général, vous entendez? Mais enfin! Tout ce que je veux, c'est vous aider! Je n'ai pas vécu tout ce temps pour en être réduit à faire des grimaces. Je ne vous demande pas de faire des grimaces, mais uniquement de leur parler de façon tout à fait normale. Mais vous aimez ça tellement, en parler! Votre femme, ça fait comment déjà? Hein? Anna? Anna! Eh bien, moi, je vous garantis que si elle était ici, elle vous foutrait un bon coup de pied où je pense. Ça va, j'arrive! Alors, vous venez? C'est vert, faut y aller. Général! Monsieur Voss, le professeur Wernick m'a parlé de votre situation. Et Madame Fischer s'est montrée si convaincante que je n'ai pas pu résister à l'envie de me faire ma propre opinion à votre sujet. Et c'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir me raconter ce que vous avez déjà raconté à Madame Fischer. Bien, d'accord, allez-y, prenez tout votre temps. Général, j'ai fait des pieds et des mains pour que cette rencontre ait lieu. Je ne vous ai rien demandé, je sache. Non, c'est vrai. Quelque chose a dérapé. Qu'est-ce qui a dérapé? Expliquez-nous. Pas seulement à mon niveau, mais dans tout le pays. Général. J'avais 11 ans quand la guerre s'est terminée. Tout était miné, absolument tout. Juste ici, à cet endroit, il y avait un hôpital. Il a été bombardé et à la place, il y avait un immense trou. J'ai aidé à le combler, moi aussi. Nous, les gamins, ça nous amusait de faire ça. Il était évident que ce trou devait être rebouché, donc nous l'avons fait sans nous poser de questions, tous ensemble. Et puis est arrivé le miracle économique. On a eu la télévision, des voitures, et puis on s'est mis à voyager. Et d'une certaine manière, on avait réussi ça, tous ensemble. Ensuite, quelque chose a dérapé, je ne sais où. Tout à coup, chacun a voulu avoir plus que les autres. Une deuxième voiture, partir en voyage plus loin que son voisin. Et puis ensuite, il y a eu les portables, les ordinateurs, Internet. Les actions et toutes sortes de choses sensationnelles, mais je n'ai pas remarqué que les gens étaient devenus beaucoup plus heureux pour autant. Ça n'a fait que les rendre plus fous, au contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que toute la société est partie dans la mauvaise direction. Et entre-temps, notre pays est en ruine, étouffé par les emprunts. 1,4 billion de dettes. Les gens ont le sentiment d'avoir été trompés. Ils sont malheureux. Ils ont peur de ce que leur réserve l'avenir. Ils ne savent pas comment les choses vont continuer pour eux. Et pour leurs enfants.
et personne ne peut le leur dire. Voilà où on en est. Alors, j'ai été à la hauteur ? Vous avez été fantastique, général. Pas question que vous ayez honte de moi. Et tu oses me dire que tu n'as jamais joué au bowling? C'est génial, on peut revenir demain. Non, j'ai pas envie, tu gagnes tout le temps. Mais si, bien sûr qu'on viendra. Tommy? Tu ne dois pas aller faire pipi. Ah oui. Merci. Il y a un souci? Une heure de bowling coûte 20 euros. Et personne ne vient juste pour une heure. Sans compter toutes les boissons et... C'est beaucoup trop cher, tu sais. J'ai déjà du mal à trouver l'argent pour les voyages scolaires, alors... Oui. Je peux, non? Je te trouvais pas tant. Et Toby partage cet avis. Mais on a déjà vécu ça. Il se lie d'affection pour quelqu'un et l'autre se tire. C'est comme ça que ça se passe. Tu es de loin. La femme la plus... C'est impossible que j'aie jamais été amené à rencontrer. Ah oui? Tu n'as pas la moindre idée de comment tu vas payer les courses de la semaine, mais quand un homme, que par ailleurs tu trouves épatant, vous invite ton fils et toi à une partie de bowling, alors là, tout à coup, ton orgueil s'enlève. Oui. Oui, tu te bats en permanence contre l'univers tout entier pour défendre les plus démunis, mais quand il s'agit enfin de toi, quand enfin quelqu'un te veut du bien, alors tu es subitement sur la défensive. Et alors? Qu'est-ce que tu veux me dire avec ce discours? Que je t'aime, Jesse. Même si tu mets tous en dessus dessous. Vite, on est là pour jouer au bowling ou pour se bécoter? On est là pour se bécoter. Comment est-ce que tu vois les choses? Voilà. Ils prétendent que la donation est illégale parce que le donateur n'avait pas tous ses esprits. Et s'ils arrivent à faire passer ça, alors tu as un problème. Et de quelle importance il est le problème? Assez important. Si le juge des tutelles accepte et suit leurs arguments, alors la vente de la maison est illégale. Oui, peut-être bien, seulement il y a déjà des gens qui vivent dedans. Ils devront déménager. Et toi, tu devras les rembourser. C'est pas possible. Et si? Mais qui est cette femme, en fait? C'est là où le bât blesse, justement. C'est une délinquante. Quoi? Oui. Une de ses collègues m'a confié qu'elle avait volé quelque chose et qu'elle était là pour purger sa peine. Pourquoi tu ne l'as pas dit tout de suite? Il faudrait peut-être que quelque chose disparaisse, tout simplement. Si le juge des tutelles comprend qu'en fait, cette femme cherche uniquement à s'en mettre plein les poches, la situation sera tout à coup totalement différente. J'ai juste entendu dire qu'il y a un problème avec lui. Mon frère est resté relativement vague. Votre père a énormément de difficultés à se faire à l'idée d'être chez nous. Peut-être qu'il suffirait de s'occuper davantage de lui. Il ne tient qu'à vous de le faire. Je sais que pour les proches, ce n'est pas toujours évident. Surtout quand on une est minute, professionnellement. Stop. Je vis à Chicago, où je travaille dans une clinique en tant qu'orthophoniste. Et je n'ai dans absolument... cas, vous devriez mettre votre séjour ici à profit. Et peut-être aussi avoir une bonne discussion avec votre frère. Chaque visite qu'il recevra fera beaucoup de bien à votre père. Papa? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'es jamais là d'habitude. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là par terre? Elle a disparu. Je l'avais rangée là-dedans! Ils me l'ont volé, les salauds. Papa, mais de quoi est-ce que tu parles? La seule chose qui était encore à moi. Je ne suis plus rien, maintenant. Je t'en prie, papa, dis-moi au moins ce que tu cherches. La montre que ta mère m'a offerte. Oh, mais pourquoi est-ce que je discute avec toi? Elle a disparu.
Elle a disparu. Monsieur Brockstein, ah, bonjour. Bonjour, Jessie. Comment ça va? Bien. Tant mieux. Faites bien attention. Oh, Madame Walker, salut. Ah, Jessie. Ils vont te faire de gros ennuis. Pourquoi? Je suis vraiment désolée. Vous n'êtes pas sérieuse, là? Puis-je vous rappeler que je vous avais clairement informé que si quelque chose venait à disparaître, vous auriez de gros ennuis? Vous n'avez donc aucune conscience de ce qui se passe ici? Que Monsieur Voss est en train de se faire rouler par ses propres enfants? Il faut vraiment que j'écoute ces horreurs? Oui, il le faut. Vous et votre frère, vous vous êtes approprié les biens de votre père malade en l'obligeant à signer un papier alors qu'il n'était même pas conscient de ce qu'il faisait. Et vous le savez très bien. Et maintenant que j'essaie de l'aider, voilà que sa fille nous arrive d'Amérique et soudain, tchac, la montre disparaît. Curieux, non? Une minute, êtes-vous en train d'insinuer que... Du calme, que personne n'est en train d'insinuer quoi que ce soit. Moi, si. Il est hors de question que je néglige cette affaire de vol, Madame Fisher. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que je vais devoir mener ma propre enquête et que d'ici là, je vous demanderai de ne plus vous approcher de Monsieur Voss. Mais parce qu'il croit que c'est moi qui lui ai volé sa montre, tu comprends? C'est ce que je viens de te dire. Comment ça? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse, Thomas. Tout ce que je sais, c'est que ce pauvre général s'est fait exploiter sans vergogne par ses propres enfants, qu'il se retrouve dans cette sordide maison de retraite et que maintenant ils veulent le rouler encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi, tu me conseilles quoi? Jessie, je sais que ce n'est pas ton truc, mais respire plusieurs fois à fond, d'accord? Et ensuite, laisse-nous le temps de réfléchir pour savoir qui lui a volé cette montre. Attends un peu. Je crois bien qu'ils vont le droguer. Attends, Jessie, si tu t'en mêles, tu risques d'aggraver ton cas. Jessie! Par les pattes! Papa, calme-toi, nous voulons ton bien. Oh! Je t'interdis de me gifler, compris? Ne recommence plus jamais ça! Qu'est-ce que vous faites, général? Laissez-le tranquille! Désolé, mais comme ça, on n'arrivera à rien. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir de mon père, hein? Elle veut son fric! Elle lui a déjà volé sa montre! Non, c'est pas vrai! Et dehors, allez! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Ils veulent lui faire une piqûre malgré lui, vous comprenez? Madame Fisher, ne vous mêlez pas de ça! Il a besoin d'un et personne n'accepte volontiers une piqûre. C'en est terminé de cette folie. Croyez bien que je le regrette, mais vous ne me laissez pas le choix. Vous n'êtes plus autorisé à pénétrer dans cet établissement. Allez vous faire voir. Toi. Maman. Plus rien ne fonctionne correctement. Maman. Maman. Quoi? Oui, je suis là. Y a qu'à moi que ce genre de truc arrive. Fais chier. Excuse-moi, comment s'est passée ta journée? Plutôt cool, j'ai rien dégonflé aujourd'hui. Eh bien, t'es en progrès. Demain, il faut que j'apporte l'argent pour le voyage scolaire. Ah oui, c'est juste. Combien il te faut déjà? 164. Je peux t'aider en donnant 32 de ma poche. Il n'est pas question que tu donnes quoi que ce soit. Bon. 50, 100, 120, 140, 150... Ok, tu mets 10 de ta poche. On va demander à Thomas de nous aider. T'es fou? On n'a rien à lui demander. Tiens. Oui, mais toi, t'as plus rien. T'inquiète pas, allez, prends. Maman. On a réussi à s'en sortir depuis 10 ans, non? Et c'est pas la première fois que les comptes sont un peu justes. Et je suis vraiment pas d'humeur à m'entendre dire tout à coup on devrait demander à Thomas de nous aider. Alors tu prends cet argent, tu le ranges et tu y fais super gaffe. Comme ça, tu pourras partir en voyage scolaire comme tous les autres enfants. C'est pas vrai, ça? Normalement, je dois encore assurer 42 heures de travail d'intérêt général. Je sais pas s'ils vont laisser ça comme ça ou s'ils vont m'obliger à les faire jusqu'au bout. Ils vont peut-être me muter à l'entretien des espaces verts municipaux pour ramasser les feuilles. Ça me permettra en tout cas de m'oxygéner. T'avais vu son regard. Maman, je vais me coucher maintenant. Oui, j'arrive tout de suite. Bonne nuit, Thomas. Alors, demain, on se fait un bowling? Si tu l'oses. Oh, je ne désespère pas de pouvoir gagner. Bonne nuit. Vous vous êtes disputé? Ouais, si on veut. J'ai été stupide tout à l'heure. J'ai eu une journée atroce, je suis vraiment désolée.
C'est la première fois que tu t'excuses, maman. C'est vrai? Eh bien, il est grand temps que ça change. Dors bien, mon ange. À demain. Tu sais combien de temps le général et sa femme sont restés ensemble? Non. 43 ans. Tu m'aimeras encore, tu penses, dans 43 ans? Je crois pas, non. Pardon? Ben oui, ton derrière pendouillera jusqu'à terre. Je te parie que c'est autre chose qui va pendouiller. Ça reste à voir. Hey, te fais pas de soucis. Le juge des tutelles va de toute façon examiner le dossier. Tu entends? Ça n'a pas bougé de ce côté-là. Sauf que tout le monde croit que j'ai volé le général et que je n'en veux qu'à son pognon. Ah, Thomas, c'est chaque fois pareil. Je me bats contre le monde entier et ça sert strictement à rien. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. Non, je te dis. Si. Non. Tu as aidé ce vieil homme. Tu me donnes un coup de main? Tu lui as donné le sentiment d'avoir encore de la valeur. Oui. D'être encore aimé par quelqu'un. Ah, et alors? Tu es la seule qui se soit vraiment occupée de lui. Et au fond de son cœur, il le sait bien. Ouais. T'es pas sûre. Avec la super dose de calmant qu'ils lui ont injecté. Maintenant, il ne lui reste plus que sa femme. Je crois bien qu'il lui parle, jour et nuit. Elle est toujours vivante à ses yeux. Toi aussi à mes yeux. Toi aussi à mes yeux. Quel idiot. Que je fasse quelque chose qui est bien et mal en même temps. Mais je n'ai pas le choix. J'étoufferais si je le faisais pas. Ah, la journée s'annonce splendide. Il n'a pas pu nous faire ça. J'ai eu peur que tu m'en dissuades. Pardonne-moi. Est-ce que tu peux t'occuper de Toby pendant quelques jours? Il va sûrement en être ravi. Je te remercie d'exister, Jessie. PS, mon derrière sera de première classe. Ouais. J'ai toujours pensé que la bonne musique, c'était autre chose. Vous saviez que 90% des couples qui se déchirent le font suite à une violente dispute en voiture? Non. Je vous jure. Qu'est-ce qu'on va leur donner comme explication quand on va revenir? On dira que c'était votre idée. Ça ne vous évitera pas d'avoir des ennuis. C'est pas bien grave, je suis habituée. Au fait, notre budget est de 34 euros exactement. Ce qui veut dire qu'on ne peut se permettre aucun extra à part les chewing-gums. Si. J'ai toujours su que mon fils était incapable de se passer d'argent. Je ne sais pas si je dois vous féliciter. Vous n'avez pas à le faire. Il n'y a que moi que ça regarde. C'est juste. Je voulais vous dire, c'est vraiment chouette ce que vous faites. Question d'honneur, général. Je remets un poil plus fort. Please don't ask me why. Why am I leaving?
Écoutez, je ne sais pas s'il faut parler directement d'enlèvement. Et comment vous appelez ça? Quand une personne plusieurs fois fichée par la police débarque ici en pleine nuit et repart avec mon père, dites-moi, une excursion peut-être? Oui, d'accord, mais on parle d'enlèvement surtout quand il y a demande de rançon. Est-ce qu'au moins il y a des témoins qui ont vu cette femme l'emmener? Cette aide-soignante l'a vue. Je l'ai vue seulement dans le vestiaire. Elle était en train de rassembler ses affaires. C'est évident qu'elle est venue pour le kidnapper. Je comprends que vous vous fassiez du souci, mais jusqu'à preuve du contraire, il ne s'agit pour l'instant que d'une disparition. Ce dont nous avons besoin au plus vite, c'est d'une description de Monsieur Voss. Bonjour tout le monde. Bonjour. Combien je vous dois pour la 2, s'il vous plaît? Rien, aujourd'hui c'est gratuit. J'ai gagné quelque chose? Non, c'est le vieux monsieur là-bas qui veut tout payer. Ouais, c'est très généreux, merci. Maman, on peut encore se servir? Prenez tout ce qui vous plaît. L'occasion ne se représentera pas deux fois. C'est cool, allez voir tout. Le nounours là-haut, il a l'air de s'ennuyer tout seul. Regarde comme il est mignon. Oh, c'est trop génial. Ouais, on a vraiment comment de la chance. Comment est-ce que vous connaissez le code secret des cartes de crédit? L'imbécile les a tous inscrits à l'intérieur de son portefeuille. Je prends aussi le casque. Pourtant, on dit toujours aux vieux de faire bien attention, de ne jamais recopier les codes secrets nulle part. Allez-y, dites-moi ce que je vous dois en tout. D'accord. Laquelle nous allons prendre? Ah, celle-là. Et joli, non? Klaus Voss. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Elle a éteint son portable. Mais sa collègue à la maison de retraite m'a dit qu'elle était probablement partie avec le vieux général. Il rêvait de faire ce voyage. Oui, mais elle a le droit de faire ça? Tu penses qu'elle a demandé la permission à quelqu'un? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est de la folie. De la folie bête ou de la folie géniale? De la folie digne de ta mère. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire? Eh bien, on va peut-être devoir, pendant quelques jours, se débrouiller tout seul, tous les deux. Et je dois dire que ça tombe bien. J'ai justement une revanche à prendre au bowling. Yes! En 1962, c'était avant les enfants, le chancelier fédéral était... Grant? Non. Adenauer, non? Ou bien déjà Erhard? Qu'importe. Nous avions une vieille coccinelle bleue, Adenauer, et puis Erhard, ensuite Kissinger, et enfin Brandt. On gagnait 200 marks par semaine. On avait moins que les gens aujourd'hui. Et pourtant bien plus. Bien plus. Ça a été la plus belle semaine de notre vie. On dormait sur le sable. On se nourrissait de salades de pommes de terre et de poissons. Et puis, on faisait des batailles de galets à longueur de journée. Des quoi? Vous devez connaître, on fait rebondir des pierres plates à la surface de l'eau. Ah oui, des ricochets. Des batailles de galets. J'étais plutôt douée. Mais elle était meilleure. Et puis, elle ne pouvait pas s'empêcher de ramasser des pierres et toutes sortes de coquillages. La voiture était pleine de ces machins. Ça me rendait malade qu'il y en ait partout. En même temps, je trouvais ça génial. J'aurais adoré la rencontrer. Elle vous aime bien. Elle me l'a dit. Ce sont tous ces détails. L'odeur de sa chevelure quand elle sortait de l'eau. Et cette lumière au fond de ses yeux. Et une fois, nous n'étions même plus jeunes, nous nous sommes couchés nus sur la plage. Nous avions peut-être 60 ans, mais nous l'avons fait quand même. J'avais posé ma tête sur son ventre. Je n'étais plus capable de dire où finissait son corps et où commençait le mien. Et puis on a vu arriver des policiers et on a dû déguerpir. C'était pas une plage de nudistes et ça nous aurait coûté 100 marks si on s'était fait prendre par les flics. Et vous? Quoi et moi? Vous avez quelqu'un que vous trouvez formidable? Oui. Et il y a tout du moins un solide candidat. Eh bien cet homme a beaucoup de chance. J'espère qu'il en est conscient. C'est moi qui ai beaucoup de chance. Et vous me garantissez qu'elles sont toutes bloquées? Bien, monsieur Welter, je passe vous voir dès que possible. Tu sais quoi? Il se dirige vers la côte. Dans une
une station-service au nord de Lübeck, une de mes cartes de crédit a été débitée de 2000 euros. Pour de l'essence. 2000 euros, tu te rends compte? Il est de nouveau en train de dérailler complètement. Klaus, tu sais ce que je pense? Klaus. Oui, quoi? Ils veulent rejoindre la plage. Notre belle plage où nous allions toujours avec les parents. Oui, si ça se trouve, tu as raison. Tu m'as dit qu'il faisait constamment sa valise. C'est là qu'il voulait aller. Je préviens la police. On va les rejoindre. Non, j'ai rendez-vous avec des clients importants à 17h. Tu ne crois pas sérieusement que je vais aller toute seule là-bas? J'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Une disposition. Une disposition testamentaire, on appelle ça, enfin, je crois. Non. Non, général, je regrette, il n'en est pas question. Si nous avons la chance de pouvoir gagner le procès, la donation sera annulée et je serai alors en droit de léguer tout ce dont j'ai envie. Oui, je sais, il n'est pas nécessaire de vous énerver. Général, c'est extrêmement généreux de votre part, mais je ne peux pas accepter que vous me donniez votre maison. Votre fils pourra jouer dans le jardin. Et votre candidat pourra s'épargner un loyer. Et tout le monde pensera que je vous ai embobiné dans le but de récupérer votre maison. On s'en fiche totalement de ce que pensent les gens. Et pour ce qui est de cette Madame Fischer, on laisse la police s'en occuper. Parce qu'elle s'est occupée de lui à notre place, elle est condamnable. Tu ne vas quand même pas la défendre. Hein? Si elle arrive à lui faire gagner ce procès, pour nous, c'est la catastrophe. Ça veut dire que la donation sera annulée. Sans compter qu'en plus, je devrais rembourser quelques centaines de milliers d'euros que je n'ai pas, parce qu'entre-temps, je les ai investis dans ma société. Il aurait eu besoin de nous. Mais nous n'avons pas été là. Pour toi, c'était beaucoup plus commode. Et pour moi aussi, c'était plus commode comme situation. Et maintenant, elle l'emmène à l'endroit où nous aurions dû l'emmener depuis déjà longtemps. Et je vais donc faire en sorte que cette femme reçoive quelque chose.